aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la cardamine des prés, parce que voilà, c'est une plante qui a quand même une courte durée de floraison et qui est très très jolie déjà à observer, et qui est aussi délicieuse à consommer. Alors, c'est la famille des brassicacées, donc on retrouve toute la famille des choux. Mais ce qui est intéressant, donc elle a ce petit côté quand même piquant, effectivement, elle contient du soufre, et puis elle contient de la vitamine C, elle contient de la provitamine A, donc, et plein de petits minéraux qui sont super bons pour la santé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sa fleur, elle sent super, super, super bon. Oh, je me régale. Et en fait, elle est très jolie, très très jolie à regarder. Ce qui est important quand on veut consommer les plantes, quand on veut connaître les plantes sauvages, c'est aussi parfois simplement s'attarder et observer. Qu'est-ce qui se passe autour de la plante? Qui vient la butiner? Où est-ce qu'elle pousse? Et ça, c'est super aussi important. Parce que bien connaître la plante, c'est aussi la respecter. Et ça, c'est vraiment primordial quand on veut se reconnecter à la nature. Alors autrefois, cette plante, eh bien, comme elle est très riche en vitamine C, on l'utilisait pour combattre le scorbut, qui était vraiment une maladie liée à une carence très forte en vitamine C. Aujourd'hui, on va plus l'utiliser pour la digestion. Voilà, elle va vraiment permettre la digestion. Donc on peut tout simplement mettre les petites fleurs dans une salade. En plus, elles sont très belles. Et puis, elle va avoir aussi une action sur toute la partie ORL, donc tout ce qui est... on va dire trachéite, mais aussi bronchite. Donc on peut l'utiliser aussi pour ça. Donc là, on peut la manger ou si on peut la faire en tisane. Donc voilà pour la cardamine des prés. Et si vous voulez en savoir davantage, eh bien n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook ou alors tout simplement à venir au Jardin d'Hélène. À très bientôt pour de nouvelles aventures.